Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo rapide et à la différence de pas mal d'autres, on aura les images, je l'espère. Comme vous le voyez, la vidéo a été prise par un supporter lors du match du PSV contre Séville, remporté 2 buts à 0 par le PSV Eindhoven, qui reste néanmoins éliminé après cette victoire puisque Séville il avait emporté 3 à 0 à la maison. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a tout un attroupement, les joueurs des deux équipes sont vite venus pour intervenir, pour séparer les deux hommes. Puisqu'un pseudo-supporter, puisqu'on ne peut pas appeler ça un supporter, était allé sur la pelouse pour s'en prendre au gardien de but. Et autant certaines intrusions de terrain peuvent être assez marrantes, autant celle-là ne me fait pas rire du tout. Et le gardien de but serbe ne s'est absolument pas laissé faire, a mis l'individu au sol et a attendu que les forces de l'ordre viennent le récupérer. Évidemment, le supporter, puisque c'est en Europe, risque une suspension, je pense, de plusieurs années, ce serait mérité. Et dans le même temps, ça me laisse assez songeur, puisque ça veut dire que même en Coupe d'Europe, eh bien, les stadiers ne sont pas intervenus assez rapidement. Le pseudo-supporter a eu le temps de s'approcher du gardien. Et s'il n'était pas intervenu, probablement que ce dernier se serait fait agresser assez sévèrement. Enfin voilà, la vidéo était très courte, je voulais revenir dessus, puisque c'est quand même un petit événement de cette Coupe d'Europe. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!